bien montrer que le tri, c'est le problème de tout le monde. Il faut que tout le monde fasse sa part du travail. Nous, collectivités, que ce soit le CITOMAT ou les EPCI ou pour nous la communauté d'aglo qui a la compétence ordures ménagères, on va mettre des outils, on va mettre des bacs, on va faire de la communication, mais à un moment, c'est l'administré lui-même, dont les familles, comme on vient de voir, qui trie. Sensibilisation aux déchets, donc au tri, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos déchets, en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire avant de le trier, donc est-ce qu'on peut les réutiliser, est-ce qu'on peut peut-être pas en consommer, donc moins avoir de déchets. Donc en fait, toutes ces thématiques-là, notamment, par exemple, le compost, qu'est-ce qu'on peut faire de nos déchets d'ordures organiques, en fait, si on peut les recycler dans le compost ou on peut les donner aux poules. Voilà, il y a plein de moyens, en fait, de limiter nos déchets avant le tri, avant même le tri, et surtout avant de les jeter tous à la poubelle aux ordures ménagères. Un des pensionnaires du cabanon des vignes qui est venu donc prêter main forte et montrer comment de poule, normalement, on arrive à diminuer les déchets, surtout les déchets fermenticides, comme tout ce qu'on peut trouver qui n'est pas des emballages, comme la viande, les pâtes, le riz, les pommes de terre, tout ce que les enfants ne mangent pas.